pour se soutenir, nous devons apprendre à nous aimer. Alors, nous aimer vraiment. C'est-à-dire que si j'aime l'autre, quand l'autre souffre, moi aussi, je dois souffrir. Ce qui n'a pas si yo, aux autres séparés, aux autres bêta, aux autres bêta, ce n'est pas si n'a pas y abattu, il n'y a pas que aux autres bowling vis-à-vis n'a été. Je dois partir. Ok, ben. Sauf que j'ai tant de les sous-sous-tés, je dois partir. Je dois partir. Je dois partir. Tu vas te retrouver comme une mécène, il y a un produit, un musicien. En plein jeunesse, il y a vocation. Tu vas te retrouver comme une mécène, il y a un concours. Il y a un mécène, il y a un mécène. Pourquoi? Parce que je dois partir pour ne pas vous faire du mal. Je salue ma bébé, je dois partir. Je dois partir pour ne plus revenir. Ça vous fera moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir. Je dois partir, je dois partir. J'ai pas. Bon, tous la nouvelle génération, bah, merci Gabaya. Prophétie, et même quand nous sommes là, et pas y toper ça parce que je commence par corriger d'abord l'information. Dès son bas âge, elle a tout donné. C'est-à-dire, tant que ma fille a eu sa puberté, ma fille a eu n'importe quoi, tant il y a puberté, elle était à l'église. Elle chantait déjà pour Dieu à l'époque. Moi, je l'ai connue, je crois qu'elle avait 17 ou 18 ans. Et déjà, elle chantait. Elle passait au nom à Ebaï Kolambate. Aïbi Kolambate avec une amie. Mais papa, la fille avait 18, 19 ans. Maintenant, passer à la télévision, commencer à dire que non, à 17 ans, Aïbaï Kolambate, c'était vraiment, il fallait. Ok, d'accord. Mais est-ce que c'était vraiment des choses qu'il fallait venir dire à la télévision? Une fille de cet âge, qui a encore toute sa puberté, on ne doit pas cause à la naïe dure. On ne doit pas cause à la faut cause à la compréhensif, en tout cas quand on a posé une femme. Autant la famille, autant la belle famille, autant Mouto, au Balimois, si tant au Balimois, si moi ça, c'est un jeune. Et puis à ça, la période, c'était une passion pour elle chanter. Mais maintenant, tu épouses une femme qui a pour passion la musique. La première des choses que tu lui dis, il faut arrêter Kokonobé ta source musique. Il est arrivé plusieurs fois comme elle de partir dans le studio Koyemba, dans Zongité. Moi, ça m'arrivait même 3-4 jours. Tellement qu'on était passionné. À l'époque, on ne travaillait pas pour l'argent. Parce que d'abord, il n'y avait pas l'argent dans la musique. Il y avait des cassettes, il y avait des papiers. Au moins, pour ça, les cassettes, poser papier, ça coûtait à peine ce qui, combien on a. Donc, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas l'argent. Donc, si on faisait Moussala et Anzam la musique à l'époque, c'était par passion, c'était par amour Yanzambe. Et on peut tout dire sur Dorcas. Moi, je l'ai connue toute jeune. Cette fille était sérieuse, Nanzambe. Malgré ma jeunesse, malgré moi, Nanaye, mais Azako Bang Nanzambe, Natan Wana. Moi, je t'épouse, tu vas m'interdire de faire ce que je fais. Je t'épouse, tu vas m'interdire de ma passion, tu vas m'interdire de servir Dieu. Toyo Kanate. Ça, c'est la deuxième information qu'on a dit qu'on a mis la guillée. Moubali Wana, Moubali Naye, Royakobala est après la France.
Je pense qu'il faut clarifier encore là-bas. Ce n'était, moi, je ne connaissais pas monsieur Pierrot. Voilà, c'est ce Pierrot. Que l'erreur que Dorcas ou la famille de Dorcas avait fait, d'autant plus qu'ils avaient pris la dot il y a Ndikwana, elle ne devait peut-être pas s'engager. Là, je ne sais pas, je ne sais pas vous dire comment ça s'est passé, son engagement avec le mari qui l'a pris. Je crois que elle a dû, son mari a eu à l'expliquer par moment. Mais écoute, à un certain moment, il y a à boire et à manger dans cette... Désolé, on a été coupé tout à l'heure. Allô, allô, si vous pouvez revenir. On a été coupé tout à l'heure, je ne sais pas très fort. Hein. Ce sont des premières expériences que j'essaye de mettre en place. Si vous pouvez revenir, s'il vous plaît. En tout cas, désolé, on a été coupé tout à l'heure. Donc, essayez de demander à tous ceux qui étaient en ligne de nous rejoindre encore. On est à 12. Si nous avons atteint, je crois, 70 personnes déjà, que j'ai demandé en même temps de s'abonner sur cette page parce que nous allons cette fois-ci commencer régulièrement à vous apporter, si vous voulez... des éclairages et puis vous apporter la bonne parole, vous donner de nos nouvelles, de vous partager en fait, de faire des partages. Donc si vous avez des questions, vous avez des choses pour lesquelles vous voulez obtenir des éclaircissements, donc vous ne devriez pas hésiter cette fois-ci parce que nous allons commencer à garder au moins chaque week-end, quand on a le temps, de venir être en interaction avec vous. Quelqu'un nous a coupé tout à l'heure, nous avons atteint déjà plus ou moins 80 personnes. Et donc, alors, Willy, essayez de partager la vidéo comme ça. Essayez de partager comme ça, on va revenir. Merci beaucoup, Queen D Star. Essayez de partager Queen D, comme ça, qu'on atteigne au moins ce nombre qu'on avait tout à l'heure. On a été coupé, désolé en tout cas. Partagez, et au moins à 5 minutes, on va repartir. Des 8 personnes, nous étions, merci Cohen Manassé, essayez de partager, abonnez-vous déjà sur la chaîne YouTube emekanu.com et appuyez sur la cloche de notification et invitez les amis, comme on était à 70, là, plus ou moins 80 déjà, pour que nous puissions continuer parce qu'on a été coupé, désolé. Alors, dans une minute, on va redémarrer, donc on va commencer. Invitez les amis, au moins qu'on atteigne le nombre qu'on avait atteint tout à l'heure. À 5, merci Amada. 8.
partagez à vos amis et abonnez-vous et appuyez sur la cloche. Kundi, bonsoir, papa aimé. C'est Clémy, la sœur de. Ah, Clémentine, la sœur de Wendy. Ah, ok, petite sœur, ça va toi en Angleterre là-bas? Content de te lire. Jean, partage à tous, partagez la vidéo. Nous avons atteint combien? Nous sommes à 37 personnes. Oui, si on peut encore, depuis Portugal, donc Joyce, soyez bénis, partage la vidéo. Bibiane, soyez bénis, dites-nous au moins d'où vous nous suivez. Vision des aigles, soyez bénis, partagez JC Mantong, partagez Jacques Mantong, Matoming, hein? Osez, bonsoir papa aimé, publié, nous sommes à 46, si je ne me trompe pas, à 50 personnes, dès que nous aurons 50 personnes, nous allons repartir. Bonsoir papa aimé depuis la Hollande. Oh, soyez béni. Rigobert Son, soyez béni. Partagez Marley Mukanga. Sois béni. Depuis la Hollande, Jean. Oh, sois béni. Alors, je disais ceci. Il y avait une sœur qui m'a écrit, qui m'a dit quelque chose de très important. Et je pense finalement que la sœur avait raison. Et nous allons commencer à le faire. Alors, la sœur me disait, écoutez, papa aimé, nous, quand on nous donne des informations, quand une personne passe sur le net pour raconter des choses, pour dire des choses, nous prenons les informations. Et dès lors qu'il n'y a personne pour démentir, dès lors qu'il n'y a personne pour dire le contraire de ce qu'on nous aura dit, eh ben, nous restons sur cette information. Et effectivement, c'est l'information au Yotogondima, parce que nous croyons que vous êtes vivant et que vous avez des portails, vous avez des endroits par excellence où vous pouvez, quand il y a une information, où vous pouvez, que vous, en fait, des créneaux que vous pouvez utiliser pour n'accouper sa bisso. Pardon. Contraire, il y a information au biso tozuito, il y a qu'au clarifier biso situation n'engézale. Alors, personnellement, j'ai trouvé que, en tout cas, la sœur avait raison. Il a dit que non, mais faites nous-mêmes des lives comme ça. Par ces lives-là, nous aurons l'information et nous pouvons, nous, à notre tour, partager. C'est vrai quand même que nous n'allons peut-être, parce que là, nous sommes peut-être, nous sommes déjà, voilà, on a atteint plus de 50 personnes. C'est-à-dire que, bon, c'est normal par moment que nous soyons capables de 50 personnes y avoir partagé information, n'aille pas y avoir tout, même si tout le monde ne pourra pas avoir la bonne information, au moins, une bonne partie à Batou, la bonne information pour corriger ce que nous, on aura au Batou Baroyoka. Et effectivement, Napisa Kindekwana a raison. Et j'ai opté moi-même ce week-end, en fait, ce vendredi, comme j'ai trouvé. Il faut dire que le temps est très, très difficile. Par moments, c'est très difficile pour nous de trouver le temps. Et donc, quand on en a trouvé, donc on en profite finalement pour interréagir, comme on dit, pour corriger un peu les informations que vous apprenez de gauche à droite par moment, qui tend par moment, il y a qu'au troublé bino, il y a qu'au pesa bino mawa, encore pour certains, il y a qu'au désavoué Bassel Nzambe. Vraiment, merci à la sœur qui m'a écrit. Alors, aujourd'hui, la première chose c'est que nous devons faire très, très attention parce que tout ça, banana nzambe. Je crois fermement que ceux qui sont en train de me suivre en ce moment sont des serviteurs, en fait, sont des enfants de Dieu, sont des gens qui sont nés de nouveau, sont les gens qui viennent à l'église. Et donc, nous sommes une famille.
Alors, quand il y a des choses comme ça, je pense qu'il faut commencer par reprocher Batoyo. En fait, bon, après, il y a des gens qui viennent avec leurs informations comme ils le peuvent, qui nous amènent des informations comme ils le peuvent. Nous ne pouvons pas condamner Bango. Il y a des gens qui essaient de faire aussi leur travail à la mesure du possible. Nous ne pouvons pas le condamner. Mais la dernière fois, quand j'ai parlé avec, je crois, le frère qui a passé les infos, je crois que c'était Alain, je lui ai dit, frère, la moindre des choses, quand vous avez une information, appelez ou écrivez. Si on ne peut pas vous répondre dans un moment où tout ça est disponible, écrivez-nous comme ça. Nous pouvons vous donner l'information avant que Bokende puisse avoir l'information dans la place publique. Et je lui ai dit la deuxième des choses, c'est que nous sommes une famille. Nous ne pouvons pas porter faux témoignages bibliquement. C'est la Bible le condamne. Nous ne pouvons pas porter faux témoignages. Ça, c'est une chose. Et la deuxième des choses, c'est que nous sommes une famille. C'est-à-dire que nous sommes une armée où chacun de nous constitue, l'un constitué, mon croiseau constitué, le Boko, Moussou Soza, le Kolo, Moussou Soza, Missou, Moussou Soza, c'est-à-dire nous constituons un corps. Et donc, dans des situations comme ça, je pense que la moindre des choses, nous devons apprendre à nous soutenir. Quand ce qui le boko est capable, je pense que nous autres mobimba et yo capable. Ce qui le colo qui est capable, nous autres mobimba et yo, parce que une fois j'ai eu mal na lino. Vous imaginez ça lino, mais je n'ai pas pu sortir parce que lino zo sala. Pourtant lino dans la particule moi yamu ke na katia nzoto. Mais je ne pouvais pas sortir kakapo na lino. Donc tous les corps finalement et coquille cobimate parce que l'inon est un problème. Donc apprenons à nous soutenir. Nous avons perdu beaucoup de nos frères et sœurs, beaucoup de pasteurs, tout simplement parce que quand les problèmes nous arrivent, les premiers à nous fustiger, les premiers à nous tirer sur nous, les premiers à nous détruire, les premiers à nous injurier, ce sont d'abord nos propres frères. Ce sont d'abord nos propres sœurs. Ce sont d'abord les membres de l'Église. Ce sont d'abord les serviteurs de Dieu. Et par moment même, bah, information ou ma Cameroun et Banarakoutou, celle dans un monde, bazoya dans la place publique. Je pense que nous devons faire très attention qu'il est temps que nous puissions revenir au beau sentiment, revenir na premier amour au Tozaki, na mon pon en Zambé, et puis na amour au Tozaki, na mon les uns pour les autres. Parce que la Bible dit, c'est alors qu'on reconnaîtra que nous sommes des dieux. C'est par l'amour qui. Si nous ne nous aimons pas, c'est-à-dire que nous sommes comme. S'il n'y a pas d'amour, Katinabiso, tout ça, le coup, la Ngonga, ils ont qu'on retentir. Donc, je nous invite, premièrement, à éviter de colporter, à éviter de faire des faux témoignages. Moi, j'ai dit à Alain ce jour-là, j'ai dit, Alain, si quelqu'un vient me dire, me donner une information, alors oui que non, bon, Ndeko Aibi, par exemple, je donne Ndeko Aibi 1000 dollars. Na éducation dans un angle, na personnalité dans un angle, je ne vois pas comment on a comme bandanga ina que nous l'obtenons à la place publique ou non Nekoana. Je ne peux pas venir dire ça à la place publique non Nekoana asa escroc Nekoana asa alors que n'a vérifié dans nos informations et quand bien même j'aurais vérifié l'information et quand bien même ça aurait été vrai que je vienne à la place publique n'a pas n'a comme détruire Nekoana ngai, c'est-à-dire ok, mon frère a tué une personne à Yesko, à Kiminanda, à Yokobomananda. Qu'est-ce que je fais? Si je l'aime, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc, ce sont des petites choses qui, franchement, qui sont en train de détruire l'Église. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont morts.
beaucoup de servantes de Dieu sont meurent et d'autres sont bakoti bakomiko bela ba problème na mutema bazu ba passe ya ndenge na ndenge parce que en réalité ils ont cru qu'en venant et panabiso ba okuta bolingo mais tango ba bongwani ba yena kati église. C'est là qu'ils trouvent encore une haine comme jamais ezala na mukili. Frère, moi je suis artiste musicien et je suis j'ai été administrateur dans la société de droit d'auteur. C'est-à-dire que j'étais contraint de yakokutanana ba musicien profane de temps en temps parce qu'on devait travailler ensemble pour les droits parce que droit ils ont la couleur T. Ba droit d'auteur ils ont la couleur T. Droit d'auteur ils ont droit d'auteur musique et sa musique c'est kuna mutu na mutu azana discipline na ye, c'est-à-dire toi tu fais la musique par exemple folklorique ou ça la musique il y a divertissement ou ça la musique gospel mais les deux tous nous sommes régis dans la même société il y a droit d'auteur ils ont la France ça il y a que la SACEM c'est que la SACEM qui nous régit comme société comme qui régit nos droits en tant qu'artiste. Alors, qu'est-ce qui se passe en effet? Je continue, je vous dis, abonnez-vous, vous tous qui êtes en ligne, abonnez-vous, partagez la vidéo et puis appuyez sur la cloche de notification pour nous aider à faire en sorte que l'information est kenda musika. Je disais que nous devons d'abord nous soutenir. Nous devons d'abord nous aimer. Donc, d'ailleurs, avant que tout comme à la place pour se soutenir, nous devons apprendre à nous aimer. Alors, nous aimer vraiment. C'est-à-dire que si j'aime l'autre, quand l'autre souffre, moi aussi, je dois souffrir. Et puis, les gens, ils ont dit que mais si moi je souffre, ça veut dire que ont dit que vis-à-vis de ce qui n'a pas passé, yo, aux autres séparés, que quand aux autres bêta, aux autres que nos bêta se passe, n'anga y pas y abattu. Il nous le baque, aux uns, yo, aux autres canaux, aux uns à bolingo vis-à-vis n'anga été. Nous avons beaucoup dans le baki job. Parce que mon thème n'anga y, mon toyer biteo, n'allez langona nani, mon limo sans tout consoler n'anga y. Et pas y topé ça parce mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake eye na idéologie ya sika donc soki papa do mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba dekoyo na kini akozwa soin de santé gratuitement. Na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele sutuke bavali na internet au débit donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama bomi santé na bomi bien soki ndeko na yo azwi okasion ya kozwa baswi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yeba ke badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier teste oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarat yeba ke okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé sikabi tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière eskembe ezali eza te sujet de prière et comment ma solo na bango na ba téléphone. Vous imaginez, vous avez parlé avec un homme de Dieu, vous avez partagé de votre souci avec une personne qui vous semble pour vous être proche, mais la personne, pendant que Yozo Solanaye, c'est-à-dire, il se moque de toi complètement. Yo pesi ba sujet de prière pour que abonne la ponayo, monte yo pesi ba sujet de prière. Et comme il y a ma solo dans ma téléphone,
Ah, d'ailleurs, tu as la auto à la awa. La auto sur la naïe a pessé un sujet boyé pendant tout cela. Mais à badi goton. Alors, est-ce que nous sommes frères et sœurs? Est-ce que nous sommes une église? Est-ce que nous sommes une armée quand nous commençons à faire ça? Je veux revenir sur notre sœur Dorcas. Jusque-là, tout ce que Ongana Moni, c'est des gens qui sont en train de tirer sur elle. Si bien que n'a pas si Azanango, donc, au lieu bon de mais n'a pas si Azanango, donc, nous sommes en train de baisser le sous pas si collègue. Bien-aimé, je commence par corriger d'abord l'information. J'ai connu Dorcas très jeune, tout ça, qui, c'est parmi les gens qui y ont donné, mais franchement, leur jeunesse n'est pas en Zambé. Moi, je l'ai connue, je crois qu'elle avait 17 ou 18 ans. Et déjà, elle chantait, elle servait Dieu, elle chantait. Et ça dit que, quand, tant que tu as eu une période, 80 et quelques années, elle venait. Et puis, quand elle ne demandait pas l'argent. C'est-à-dire, elle le faisait gratuitement. C'est pas et comment les locs. Bon, ok, caché avant, caché. Non. Cette fille, cette sœur que je connais, vraiment, elle a défendu. Cette fille, dès son bas âge, elle a tout donné. C'est-à-dire, tant que ma fille a eu sa puberté, ma fille a eu n'importe quoi, tant il y a puberté, elle était à l'église. Elle chantait déjà pour Dieu à l'époque. Quand je vis un pasteur passer au nom mais papa, la fille avait 18, 17, 18, 19 ans. Oui, bien sûr, il y a des enfants qui savent préparer à Joana, mais comment tu peux condamner une personne à cet âge à Ibinan? Mais après, mais là, à préparer à Joana, parce qu'il y a que les amoureux, moi si. Nous n'étions pas, les années 80, nous n'étions pas à l'époque où maman a mis son bazo à 14 ans, ou bazo préparé à 14 ans. Na période où nous atteignons Hermosus Oyo, bon, à 17 ans, 18 ans, c'est pas. Il y a période où on a pour tout, Hermosus Bazo, il y a bon, on a mis son 18 ans, 17 ans. Donc, maintenant, passer à la télévision, commencer à dire que non, à 17 ans, c'était vraiment, il fallait. Ok, d'accord, mais est-ce que c'était vraiment des choses qu'il fallait venir dire à la télévision? Bon, c'était une parenthèse. Ce que je voulais dire, c'est que cette fille avait donné sa vie pour l'Église, pour la gloire de Dieu, pour Dieu. Moi, je la voyais par moment à osant la transport. Aïe, osa l'anzam, aïe, osa la moussa l'anzambé, ba pessi et l'orote, à osant la transport. Cette fille a fait des pas, ça la ma colo. Pourtant, très belle, hein. Oh, à combien, c'est même, dans ma 17, 18 ans là, elle était très belle. Elle pouvait aussi faire comme les autres filles, ce que faisaient les autres filles pour se nourrir, pour qu'elle soit bon. Cet enfant, cette fille n'a pas fait ça. Maintenant, on est venu me voir, moi, c'était en 98, donc en 98, dans Vanilla Sidio Samoualam. Un pasteur arrive. Moni m'a écouté, frère, bon, écoutez, je dois partir, il y avait un pasteur, Oyo, à mon ami, moi, si mon connard, quand on a assez alors à penser que à avoir contact, bon, parce que je crois qu'il y avait trois filles. Il y avait trois filles, si je ne me trompe pas, n'a pas cœur. En fait, non, il y avait deux ou trois filles et puis un garçon. Que n'a la fille en un à la casting à vidéo à casting à la fille. Ok, d'accord. Tout ce que moi je peux faire en ce moment, c'est te mettre en contact avec
la fille. Na Luka qui Dorcas, tu sais à l'époque, ma téléphone est ma téléphone est arrêté. Donc pendant que Dorcas, il faut qu'elle n'ait pas na bango. Je me suis donné la peine, je suis parti na Luka parce que jusqu'à ce jour-là, je ne connaissais pas encore pas na ibaino na kuna bagante. Je me suis donné la peine na keti ko Luka Dorcas chez elle. Pour lui donner, pour moi, j'ai considéré peut-être que c'est une bonne information. En fait, c'était une bonne nouvelle. Que Moutoumoura s'est bien aillé, Ali Kobal aillé. Pour moi, je me t'ai dit, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Nazwa Leki, Azwa Libala. Je suis allé voir Dorcas. Je lui dis que non, mais écoute, il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a demandé à ce que. Beaucoup d'ana parce que Azana Ndekonaye, Azlin Kobalaye, je crois, dans Londres. Et c'est comme ça que c'était parti. Finalement, je crois qu'on m'a invité d'aller chanter dans Ngilingiri, là où il y avait les connaissances, si pas la famille du frère. En fait, le frère était de Brazza, je crois qu'il s'est trouvé des amis ou des frères à Kinshasa, mais on considérait que Bango Bazaki Bandekonaye. Jusqu'à ce que, bon, ils ont fait les choses. Toute petite, toute jeune qu'elle était, elle aurait pu refuser. Elle s'est dit que non, bon, écoute, moi, je vais encore continuer au salle à Nzambé, ou bien continuer peut-être ma étude, ou non, mais elle s'est dit, bon, écoutez, je crois qu'elle a demandé conseil, chez certains, ou à ce moment-là, sûrement, peut-être, dans ma parent, qui lui aurait dit, bon, écoute, prenons ça, le cola, voilà, Libala Nayo, ok, Libala. Ah, ok. Je crois qu'elle a eu le temps de prier, ou pas, parce que, quand on se voile pas la face, na 17 ou 18 ans, 19 ans, des fois, quand on nous présentait quelque chose, par moment, on ne réfléchissait pas. On tombait dans le sentiment. Parce que ça, âge, moko, oyo, raison, et ça, nous pensons ma cassité. Ils ont pratiquement âge de la puberté. Donc, la raison n'est pas encore bien assise. C'est autour de 24, 25 ans, moi, c'est combien avant, à réfléchir, nous, avant, il y a eu des décisions. Mais là-bas, âge, la fille a trouvé ça comme, ben écoute, elle n'a aucun des potos. Tu vois, un enfant, une jeune fille de 18, 19 ans, bon, je pense que. Nakin, la première chose, quand quelque chose de comme ça arrive, elle s'est dit, ok, non, qu'elle n'est pas tôt. Alors, ça personne ne. Peut-être que bien monté. Le frère a envoyé sa photo, finalement. Atinda photo. Et je dois vous le dire, que la photo qu'Atinda, et sa photo, il y a période où Atinda photo, il y a Kala, donc il y a quelques années avant. Tu sais, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui où. Ok, yo linga bo sa vidéo balamoko. Il y avait déjà que téléphone, les amis compliqué, fallait pour na solana batuna ki les amis qu'il fallait que na coin ya quartier pour na monto ki no solana monto. Alors maintenant vient un moment où elle prend ça comme une bonne information. Et puis, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Bon, c'est vrai que moi, je n'étais pas, parce que j'avais voyagé, je me rappelle, je suis parti dans Matou Samuel, tout ça, la tournée, moi, on a à Suède à l'époque. Je crois en 98, c'est pas 98, c'est pas 99, 98 ou 99. Donc, on a Suède comme ça. Tant qu'on a zongi, on a outi Suède, on a zongi, on a écouté Dorcas à Koma Kovanda. Na famille Oyo, il y a bateau Bayaki Kousala, apparemment mariage. En fait, na église, ma place là où je suis allé la trouver, na église Oyo, où il y avait la dame là qui faisait des démarches pour na Kobalaye. En tout cas, on n'a pas parlé longtemps. Pour cela, il m'a dit, on a un peu ce qui est conseil, mais c'est que non, mon petite soeur, parce que c'est comme ça que je l'appelle depuis toujours. Petite soeur, na yébi Kousa jeune. Si koyo o kuma mbali bala isa soso makambu ya bu mwana te ça dit kolamba la moko tango komiona yebane nini o se comporter na bango. Je pense que quand on a épousé une fille de cet âge qui a encore toute sa puberté,
on doit pas cause la naïe dure. On ne doit pas cause la faut cause la compréhensif. En tout cas, quand on a posé une fois, autant la famille, autant la belle famille, autant Mouto au Balimois, si tant au Balimois, si moi ça c'est un jeune. Et puis à ça la période, c'était une passion pour elle chanter. Mais maintenant, tu épouses une femme qui a pour passion la musique. La première des choses que tu lui dis, il faut arrêter Kokonobé dans cette musique. Ça peut être normal, ça peut être vrai. Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois comme elle de partir dans un studio Koyemba, dans Zongité. Moi, ça m'arrivait même 3-4 jours. Tellement qu'on était passionné. À l'époque, on ne travaillait pas pour l'argent. Parce que d'abord, il n'y avait pas l'argent dans la musique. La cassette, on a la période où on avait la cassette, on avait le papier. Au moins, on avait la cassette, on posait le papier. Ça coûtait à peine ce qui. Combien on a. Donc, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas l'argent. Donc, si on faisait Moussala et Nzambe dans la musique à l'époque, c'était par passion, c'était par amour et Nzambe. Alors, on arrivait tout jeune qu'on était. Moi, ça m'est arrivé. Il y a qui ma classe. Ça m'était arrivé. Il y a qu'on là dans le studio 2 ou 3 jours. Et on s'en foutait pour nous. On travaillait pour la gloire de Dieu. Ça pouvait arriver que non, elle était partie pour un studio à Zongité. Mais la minute, période où on a pris le téléphone, ils étaient. Au Robin, on a dit que non, tu as eu compte tant au moins, tu as eu compte. Mais ça t'est arrivé tant à Zongité. Parce que je ne pense pas que moi, sur Babali, à plaisir nous ça okenola la place mususu sans que après sa information elle le faisait elle ne le faisait pas à l'idée il y a naba idée à mabé et on peut tout dire sur Dorcas. Moi je l'ai connue toute jeune, cette fille était sérieuse nanza, mais malgré bou jeunesse naïe, malgré bou moi naïe, mais azako bang nzambe na temps wana. Maintenant, quand les choses arrivent, Mbali à un certain moment a interdit la musique. Non, on a dit que c'était qu'on a parce que quoi de plus logique, de plus normal pour un homme de donner des ordres pour une femme pour qui tu as donné la dot. Ça a commencé à évoluer, ça a commencé à évoluer. Malheureusement, mais sûrement, à un certain moment, c'est même à Tanga. Moi, je t'épouse, tu vas m'interdire de faire ce que je fais. Je t'épouse, tu vas m'interdire de ma passion, tu vas m'interdire de servir Dieu. Toyo ganate. Lelo, on a zo mon lelo. Mais si moi, tous les Dorcas à lelo, tous les Dorcas, il y a la période où on a, c'est-à-dire, tant qu'on a 18, 19 ans, si pas 20 ans. Mais attends, c'est quoi de plus normal? Alors, à un certain moment, il y en avait peut-être ras-le-bol, et puis peut-être, et ça c'est la deuxième information qu'on a dit qu'on a mis là, qui est Moubaliwana, Moubalinaïe, Wayakobalaïe après la France. Je pense qu'il faut clarifier encore là-bas. Ce n'était, moi, je ne connaissais pas monsieur Pierrot. Voilà, c'est Pierrot son nom. Après. Mais en ce moment-là, je ne le connaissais pas. D'abord, tant qu'on a été première fois en Suède, comment il a français? On a été en Suède, en Suède. Et puis, à l'époque, je n'avais même pas encore. Et c'est tant qu'on a zongi, on a eu ça, l'album, c'est quoi? Il y a album, où je dois partir, album de Maliboso. Et mon album, Maliboso, on a produit, on a joué distributeur Antoine Katoto, qui n'express Nakin. Alors, maintenant qu'on dise que non, bon gars, mon azula qui est, producteur, c'est faux, c'est archi faux. Alors, j'en reviens dans les solos, il y a petite soeur. Parce que là, il y en avait trop, je m'étais dit, la petite ne parle pas parce qu'on était au moyen de l'obésité. À un certain moment, si nous tous là, nous continuons à la tirer, petite au monde à Yébé à Koufi, après tout c'est pédi, parce que bisous, c'est comme ça. Marie, nous sommes à Koufa, les lots. Personne n'a soutenu ni sa fille, personne n'a soutenu ni Niawabe. Allez, Moloto, Akoufa, les lois, Waboye. Tina, moi, Siné, Akoufi, aujourd'hui, ses enfants, personne ne les soutient. Alors, si à un certain moment, nous, on ne se lève pas pour parler fort comme ça, je pense que Bissot, Bissopet, ils en ont 60 personnes en danger.
Nous devons apprendre à nous soutenir parce qu'il n'y a que nous-mêmes qui connaissons les souffrances que nous vivons. Parce que vous, vous ne connaissez pas, vous, le public, par moment, vous ne savez, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce que nous, on vit. Et certainement, maintenant, nous arrivons toujours dans la période où je dois être d'accord avec vous que l'erreur que Dorcas ou la famille Dorcas avait faite, d'autant plus qu'ils avaient pris la dot il y a elle ne devait peut-être pas s'engager. Là, je ne sais pas, je ne sais pas vous dire comment ça s'est passé, son engagement avec le mari qui l'a pris. Je crois que elle a dû, son mari a eu à l'expliquer par moment. Mais écoute, à un certain moment... Saki kiti na yo Bisika miso nzoto imona kate Ona koko lisa kondi mayabana na yo Kiti na yo wezali Ya molimo kasi ya nzoto te Eza bose wona yesu Omoto amona Kiti na yo Esengeli azalase Zamba yebisingai Na feti ya kana Jezi ya bongo la kima yivino Kasi sali wana Batuba muna kite Yamba suflingai Bikenda na veni luka Na direksyo birmani Derrière maison communale, il y a Ngiringiri. Nous avons un salle. Pour y est, nous avons un salle. Pour du nouveau à Kinshasa. Ngiringiri la tila Mayasika. La salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP. Sécurité assurée, tout au bon point, très très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire, pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très très disponible. Bien aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yasika, di nouveau. Ni le part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci, merci Seigneur, merci. Talabo Kesinizali, entre fête au Kendaka, il y a voisin et tout voisin. Ce qui est Kesinizali, il y a solo, fête à Yoko Salabo Konate. Il y a Kanangwao. Il y a Kanangwao. Il y a Kanangwao. Merci, merci. Ok, il faut t'aider d'autres, mais je ne me sens plus à l'aise. Tu m'interdis à Oussala Moussala Nangai, tu m'interdis à quoi avancer. Tu as payé la dot, d'accord, mais le mariage en ce moment-là n'était pas encore consommé en plus. Vous n'allez pas garder la pauvre prisonnière. À un certain moment, quand on sent déjà qu'avant on a voyagé, place en Zoki, on coûte un pas problème. Mais pourquoi il faut y. À ça là, ce qu'elle peut faire. Nous, je pense que elle a pensé, elle a jugé que bon, en ce moment, nous tournons à Moni, donc elle ne souffrit. D'autant mieux, Bazongi Sambongo, fait, n'a qu'à Taliba la Oyo, n'a Bazongi Sambongo pour que, bon, Moutoumoussou soit lingué. Et puis même, démarche, il paraîtrait que, et ben, donc, on s'allume, les choses, comment on s'allume. Donc, c'est une façon de la punir, c'était
Bon, vanana, donc tu épouses un enfant, tu épouses une fille. Maintenant, voilà, vanda, voyage de Ibilante jusqu'à quand Ekoya. Je pense qu'à un certain moment, pouf, elle a pris une autre direction. Elle est partie chez celui qui l'a épousée après. Alors, il y a des choses à condamner. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous que il faut te condamner à niveau de la famille, il faut te condamner à niveau de Yemoko, il faut te condamner à niveau. Mais j'ai appris, bien aimé, à ne pas condamner les gens, moi. À un certain moment, moi, j'étais aussi comme ça, je condamnais, mais comment ça peut arriver? Mais avec les reculs, avec l'âge, avec tout ce que j'ai rencontré moi-même comme problème, j'ai appris, moi, à prendre des reculs. Tant que je ne connais pas les raisons qui ont poussé une personne à arriver là où, à la place où tu as commis, je pense que nous devons avoir des reculs. Et surtout, moi, quand je le parle, je le parle en tant que grand frère. Je me dis, ma propre petite soeur vit une histoire comme ça. Qu'est-ce que je veux lui dire? Tout ce dont je pouvais lui dire en ce moment-là, ok, si tu n'aimes plus, si tu penses que Moba Liwana, tu vas souffrir et que tu oses sentir soit l'esté, Bokamata Dot, Bozongisa. C'est tout ce que je pouvais. Et c'est ça, peut-être l'erreur Oyo, Namini Tuana, Ikoriko Salema. Mais ne mettons pas à condamner la soeur parce que nous ne savons pas ce qu'elle a vécu, Ninoana. Et d'autant plus que Koutana Ginanouté, je crois que la moindre des choses, c'était, ok, je sens déjà que Awa, ils ont souci bien. Je sens déjà que Awa est aussi maté. Je vous invite, pendant que je suis en train de parler, que vous puissiez vous abonner sur la chaîne. Ça, c'est de 1. Et puis, bon, toucher cloche, il y a notification. De telle sorte que chaque fois qu'il y aura des vidéos. Parce que je vais commencer à parler pratiquement tout le temps, tous les week-ends. Quelqu'un m'avait dit, nous avons laissé le gens... tout le monde a parlé et nous ne parlons pas. Ça dit bateau au bazar dans Maroloba, au bakoi koloba, bazolo ba dans Bangote. Et les gens qui ne peuvent pas parler, ce sont eux qui ont le micro. Je suis vu un gars dire que non, mais même à niveau de la politique, les gens qui ont l'intelligence de faire la politique comme il se doit, ils sont restés bazota barota. Moi, je pense qu'à un certain moment, c'est la non-assistance des personnes en danger. Quand tu sais que tu sais faire quelque chose, quand tu penses que tu peux faire quelque chose, il faut le faire parce que Sorosali Amouta. En fait, le Saint-Esprit nous parle. Je pense qu'à un certain moment, trop, c'est trop. Et nous allons commencer, nous aussi, à parler. Donc, il y a à boire et à manger dans cette histoire. Il y a des choses, Moutoua parfait à Zaté. Dorcas ne peut pas être parfaite. Ce n'est pas une fille qui ne peut pas être parfaite. Tout ce que je connais de cette fille, qu'elle était dévouée à l'œuvre de Dieu, qu'elle a donné sa jeunesse et pas à Nzambé. Et je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, qu'elle commence à battre pas. Donc, quand vous voulez dire, c'est ma petite soeur. Et moi, ça n'a jamais été dans la logique. D'abord, je suis un serviteur de Dieu. Je ne vois pas comment je vais aller sortir ma fille. C'était une sœur, c'est une petite sœur. Donc, il faut que les gens enlèvent cette histoire dans l'air. Jamais Dorcas et moi, on a eu même à Talikanissi. On était des bons amis, point barre. Des bons amis et des bons frères, point barre. Il n'y a jamais eu aux relations amoureuses, on n'est jamais entre nous. Je te dis, il n'y a jamais eu, même dans ma canisie, je ne peux même pas imaginer que n'y ait pas n'y ait. Même dans ma canisie, moi, ça n'a jamais été dans mes pensées. Voilà, ça, c'est ça la vérité, puisque vous devez connaître la vérité. Je crois que prochainement, je vais faire une vidéo où elle et moi, on va parler sur la Tozanaïe en ligne parce que je crois qu'il faut qu'à un certain moment qu'elle sorte de l'ombre aussi. Il faut qu'elle sorte de... Non, ce n'est pas question de se justifier. Il n'y a pas besoin de se justifier. On dit maintenant, on a décidé de dire des vérités, de dire les choses.
Voilà, donc on a décidé de dire des choses pour établir Sikoyo, la vérité, parce que trop de mensonges, c'est trop quoi. Alors voilà, voilà un peu ce qui est arrivé. Et puis bon, finalement, il est parti avec son mari avec qui il a eu des enfants. Et puis tout ça, t'as la mawa. Tout. Obi, bananaï, babotami, après histoire. Maintenant, quand vous faites ça, bananaï, c'est ma collège, je crois que bananaï doit avoir autour de 19-20 ans, entre 18, 19, 20 ans. Vous dites des choses pour nanaï. Mais est-ce que vous pensez que vous constatez que vous avez un bananaï pour éduquer? Ces enfants-là qui n'ont pas vécu le passé. Et maintenant, alors quand ils arrivent, quand elle arrive finalement en France, moi, c'était en 2001, voyez, l'église Amour et Vérité. J'étais avec, ce jour-là, j'étais avec le vieux Nzaou, qui est pratiquement mon oncle, et puis son petit frère Paul Nzaou, le révérend, il est aujourd'hui pasteur, le révérend Paul Nzaou, on l'appelait Dospo. C'est ce jour-là que j'ai vu tantôt dans l'église d'Amour et Vérité, dans Saint-Denis, en 2001. C'est là finalement qu'on a rencontré, que j'ai rencontré Dorcas avec Pierrot. Alors c'est Pierrot qui se présente en se disant que non, moi je suis le mari de Dorcas. Bon, moi je ne connaissais pas Pierrot Namnitoana. Nathalie Balmour Dorcas a dit, petite sœur, il y a des choses, il y a une étape où elle m'a dit, on va parler. Malheureusement, comme, en tout cas, sincèrement, on a parlé. Ce qui m'ont dit, on a été en information. Et quelques temps après, c'est cet homme-là qui va m'appeler. C'est-à-dire le pasteur Jean-Félix, je crois, Jean-Félix de Londres, qui va m'appeler. Pour me dire, non, bon, voilà, écoutez, regarde ce qui s'est passé, tout, mais écoute, essaye d'arranger ça à la mesure du possible, parce que, Mramboyo est comme compliqué. Déjà, ce qui, à Zanangbali, c'est à Bali, Baboti, tout ce qu'on peut faire en ce moment, c'est, Bazong, ça, Dotinayo, comme ça, vous tournez la page calmement, et puis tu vas continuer, au continuer, Vinayo. C'est tout ce que, moi, je lui ai dit. Parce que je lui ai dit, qu'en tout cas, n'a yébité Mramboyo et les cas, pour que vous compreniez ma campagne entre Banana Nzambi. Yosa Moussa et Nzambi, elle aussi, c'est une servante de Dieu. Elle sert Dieu au travers de la musique. Et donc, la moindre des choses, c'est qu'on essaye d'arranger. Les problèmes arrivent là où il y a des gens. Tant que le problème est commis, essayons d'arranger. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui ne devraient pas. Je le dis et je le redis. Je ne dis pas que je suis en train d'encourager ce qui s'est passé. Normalement, c'est des choses que je n'encourage pas. Ça devrait passer normal. Mais la vie nous réserve des surprises. Il y a des choses qui arrivent dans la vie qu'on n'a pas prévues. Il y a des imprévus. Autocoutan, à mon avis, il faut faire face maintenant. Voilà un peu ce que je voulais dire pour cette histoire et revenir finalement pour le pasteur. Déjà, la première chose que... Pasteur, au bout de 21 ans, revenir sur une histoire pour détruire ou salir une personne, je trouve ça méchant. Parce qu'il me semble que le mari de Dorcas se serait déplacé ou bien avait envoyé une délégation jusqu'à Londres pour vous remettre la dot. Il me semble que beaucoup t'en a quitté. Alors maintenant, au bout de 20 ans, revenir sur une histoire... Pendant que la sœur traverse un moment difficile, je suppose que même s'ils n'étaient pas encore ni mariés, Bazakina ni mariété, mais une personne avec qui tu étais, avec qui vous envisagiez vous marier, qui meurt, je pense que ça doit faire mal. Alors, ça c'est la première des choses. Que ça arrive. Na situation on a oui comme on a le faire au bout de plus de 20 ans, je trouve ça sincèrement, cette démarche là je trouve ça méchant. Et surtout, plutôt que d'appeler des hommes de Dieu, vous allez contacter entre guillemets
les gens qui n'ont rien à voir. Parce que pour, il paraît que la personne qui était contactée, c'était une dame dans en Afrique. Et la dame, il me semble que ce n'est pas, elle n'est pas forcément, en fait, ses émissions, ce n'est pas forcément chrétienne. Si ça avait été allé dans une église, je pouvais encore comprendre. Mais il est qu'une église de, quel est le cas, la émission Mokoi Oyo séculière, j'ai trouvé ça anormal. Au bout de plus de 20 ans. Je pense que tous amis bal bisognos. Il y a des choses qui nous sont arrivées dans la vie. Si tu n'es pas un homme, si tu n'es pas solide, tu gâches toute ta vie. Moi qui te parle, je parle au pasteur, j'ai vécu des choses dans ma vie. S'il fallait rester là, c'est na coup frappé ma si là. Parce que ce que moi j'ai vécu, et Kokana Koutouata, na 10% ou na 20% au vivreté. Voyez-vous, moi j'ai fait venir la femme, ti na Suède, na bouzoui moi, na yé na yé, ti na poto. Voyez-vous, et de là, elle a fait. Bon, ça c'est même pas important. Mais c'était arrivé que, bon, à une décision, à Boti, vous voulez que je fasse quoi, arrêtez vie. Ou bien que je. Non, mais la vie continue. La vie est un cadeau, Yanzambe. Vie est à l'ibonza en Zambie et nakatia parcours, c'est-à-dire pour arriver, na destiné pour atteindre la terre promise, Israël devait passer par les déserts. Et nakatia désert wana, ils ont vécu tout ce qu'il fallait vivre. Et il y a même des gens qui avaient reçu, ceux qui avaient reçu la promesse n'étaient pas ceux qui sont arrivés à la terre promise. Voilà, je pense qu'il est 45 minutes. La suite de Tourbe Belango, je veux en parler prochainement. Mais pour l'instant, je voudrais fortifier ma sœur Dorcas, encourager la sœur Dorcas de te remettre debout. De réfléchir et de prier pour savoir quel est l'enseignement que tu tires de tout ce qui vient de se passer dans ta vie. Et d'aller maintenant dans la direction Oyo, Nzambe Yemoko a opéré. Et le pasteur Jean-Félix, je pense qu'il serait mieux en ce moment que vous puissiez, si possible, Zali, Yako Solana Dorcas, pour que vous tourniez dossier, pour que vous sengana d'une part et d'autre, vous sengana bolimbisi. Parce que tout ça, Bansali Nzambe, vous sengana bolimbisi pour que situation Oyo et les cas. Parce que exposer les problèmes dans la place publique devant Batoua Mokili, en fait, ils ont détruit l'image de l'église. Nous devons faire très attention. Ce n'est pas que nous voulons passer par de, comment on dit, tous à hypocrites, mais à Takutuna Mokili, il y a une salité sur la famille. Je ne pense pas que le problème est que la famille n'est pas bimalibanda pour que Batoua Mokili salité dans la famille. Non, on va laver. Salité la puissance, la carte de la famille. Et c'est ce que, en temps normal, nous devons faire en tant que serviteurs de Dieu. Je vous remercie. Vous étiez 489. Waouh, 489 personnes à me suivre. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et tous, si vous pouvez vous abonner déjà sur la chaîne Emekano officielle. Et puis, cliquez sur Ngongao, il y a notification là, pour que vous soyez déjà au parfum de tout ce que nous allons essayer de commencer à dire. Je pense que ça va être une chose importante. Je n'étais pas venu aujourd'hui pour prêcher, je n'étais pas venu pour Bible à la main, pour, parce que lobby, au PC, bah, référence biblique, je sais que vous allez me dire, mais aujourd'hui, j'ai voulu essayer de clarifier un peu cette situation. Nous n'avions pas besoin pour clarifier cette situation. Ce n'est pas une histoire biblique, cette histoire. C'est une histoire de notre sœur, d'une histoire de la vie que j'ai connue, et j'ai essayé de relater. Je n'avais pas besoin de relater avec des versets bibliques à l'appui. Donc voilà un peu, je vais terminer par là, donc une minute quelques qui me reste. J'espère que vous avez été édifiés par rapport à ce que je dis. Et
vous avez l'objectif, c'était de mettre un peu la clarté dans ma camboy pour que tout tourne page oyo et tout avancer. But dans les alliés, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, nous sommes une famille, nous sommes une armée. Et nous avons à nous soutenir. Ceux qui m'ont croisé blessé, ceux qui m'ont croisé n'a pas, si nous devons le soutenir, il faut tout simbayer, tout avancer. Et nous, ce n'est pas que mon croisé a eu problème, mon croisé, ma belle amie, tu as eu un réglage après, mais tout zoana, nous, tout to kenda liboso, tout soutenir, rien à temps, il y aura un temps où tu reviens à mi papa, maman, awa. Problème à Wabo, il fallait pas être à Wabo, il fallait pas être à Wabo, il fallait pas être à Wabo. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Pour en clôturer dans ma information, nous avons sorti un album Amour Parfait. Donc, l'album s'appelle Seven. L'album est divisé en deux parties. Amour Parfait, c'était le premier volume. Donc, nous avons sorti deux clips. Vous pouvez le suivre déjà dans le site Olokola. Plutôt la chaîne Nabis Oyo Bokende Botalayango, il y a Splendeur et puis L'amour de ma vie. Bolanda clip wana, bolanda ba parole ezana banzembwana, bolanda maloba ezana kati banzembwana, parce que nous nous préparons pour d'autres clips. Nous sommes comme presque fin prêt. Donc les aussi ça va clip, mais cette chanson tout aussi ça va clip nyon soana après tout lancer prochainement volume 2. Donc d'ici je pense fin de l'année ou année prochaine, te relancer deuxième volume. Il y a album mon ami. En attendant, très bientôt là, le premier clip va venir. Je pense que ça sera Sikia ou Il suffit d'un rien ou encore d'autres clips Moussous. Donc nous nous préparons. Soyez bénis. Nous avons besoin de votre soutien. Continuez à nous soutenir. Ce travail que nous avons choisi n'est pas facile. Nous avons plus de coûts que les soutiens. Alors, si nos frères qui nous aiment vont nous soutenir, ça sera une bonne chose. Soutenez-nous, on en a besoin. Soutenez-nous par les prières. Soutenez-nous par votre argent. Soutenez-nous. Alors, n'aba moyennyo onzamba ko tchabino na ninyango bo soutenir biso pour que nous puissions aller de l'avant. Page Facebook d'Anga Isa Aimé Nkano. Je crois 350 quelques mille abonnés. Bokene pe vous abonner kuna, bokene vous abonner na Instagram. Instagram pe Isa Aimé Nkano, vous abonner et vous abonner pe awa donc na chaîne YouTube Aimé Nkano officiel. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Soyez bénis. Yahweh, Yahweh.
affronte les obstacles. Si t'as mon nini ben côté les mains, oh longanga yé. Sonite aya mbatela yo motema batuti samate na mabwa kwa mongona kasi na nyango aya na milelo na ye azonga na milelo na ye ezalate musiko